Pour le rable de lapin au pruneau, avec ses carottes glacées au citron confit, donc tout d'abord, il faut des beaux rables de lapin, sur lesquels reste la peau attenante. Donc les pruneaux que j'ai pris soin de couper en petites lanières, je viens les placer ici contre le râle. Vous voyez, je vais faire un petit peu, à peu près la valeur d'un pruneau et demi, deux pruneaux, on va dire. Hein. Voilà, deux pruneaux par râle. Ensuite, nous les enroulons. Reste ensuite à les ficeler de façon à ce qu'ils ne se déforment pas. Donc les râles sont maintenant ficelés, assaisonnés de sel et de poivre. Dans un sautoir, une pointe d'huile d'olive. Et je vais maintenant les faire rissoler tranquillement pour les dorer tout autour. Pendant que les râpes de lapin sont en train de dorer, nous allons nous occuper des carottes glacées au citron confit. Pour ce faire, donc de préférence des jeunes carottes, un petit peu de miel, un petit peu d'huile d'olive. Pour démarrer la cuisson, un petit peu de bouillon de poule. Quand je dis un petit peu, c'est environ entre 3 et 5 centilitres. De façon à ce qu'au démarrage, les carottes aient un petit peu d'humidité pour ne pas brûler. Donc j'ai mis l'ensemble, une petite pointe de sel, et je couvre pour environ 20 minutes à feu moyen. Les râbles sont maintenant bien dorés sur toutes les faces, vous voyez, regardez. Alors, toujours à feu moyen, de façon à ce que le fond ne brûle pas, parce qu'on va récupérer tous les sucs de la viande pour fabriquer le petit jus dans lequel nous allons terminer la cuisson. Donc quelques oignons rouges ciselés finement, du céleri branche, donc coupé en petits cubes. Le céleri et les oignons sont maintenant sués environ 2-3 minutes, de façon à faire bien ressortir l'eau de végétation. On va finir de déglacer avec un petit peu de vin blanc. Donc là, on laisse le temps au vin blanc de bien bouillir, d'une part bien sûr, pour retirer tout l'alcool, et en même temps retirer l'acidité. Donc là, vous voyez, les carottes cuisent environ maintenant depuis 10 minutes. Vous voyez, le petit jus de poule que j'avais mis, le bouillon de poule que j'avais mis au début a pratiquement disparu. Il n'y a que le jus des carottes. Vous voyez, comme elle commence à devenir un peu glacée, là on voit qu'elle commence à devenir brillante. Donc je vais rajouter maintenant une petite pointe de cumin. Parce que le cumin rehausse le goût de la carotte. Et avec le citron confit, alors le citron confit que j'utilise, vous voyez, c'est des citrons qu'on achète comme ça, qui sont marinés dans du sel et du vinaigre. Vous voyez, j'ai pris un petit peu de citron que j'ai haché avec la chair, et je vais venir parsemer assez généreusement les carottes, parce que c'est ça qui va conférer aux carottes tout le parfum et la petite acidité qui ira bien avec le goût sucré du pruneau. Un petit peu de bouillon de poule. Et je viens remettre mes râbles de lapin dans ce petit jus, à couvert et à feu modéré. Les râbles de lapin donc mijotent maintenant depuis environ 15 minutes. Je les retire. Pour terminer le jus, juste une petite pointe de moutarde forte. Et pour le petit décor, quelques pluches de coriandre qui vont se marier à merveille avec le goût du cumin, des citrons et des carottes. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.